Je vous avais demandé de me poser des questions pour une FAQ, mais c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Quel est ton manga préféré? Quel est ton perso préféré? Sais-tu sur quelle chaîne sera diffusé Dragon Ball Super? Si tu devais vivre dans un manga, ce serait lequel? Bon voilà, en plus, la plupart des questions, j'avais déjà répondu, donc j'ai décidé pour cette FAQ de répondre à vos questions les plus débiles. Donc le téléphone que j'utilise, c'est un OnePlus One, voilà, placement de produit, 500€, ping! Alors, quand tu te douches, quelle est la première partie de ton corps que tu savonnes? Mes cheveux, toujours mes cheveux, et après c'est... Quand est-ce que tu rends l'argent aux abonnés? Est-ce que tu mets tes céréales avant le lait, ou le lait avant les céréales? Moi, gros porc que je suis, je remplis d'abord mon bol de céréales, et après je mets un tout petit peu de lait. Ton tatouage, quelle est sa signification? Je pense que ça veut dire nouilles au curry, enfin je suis pas sûr, j'ai laissé un chinois un peu douteux me faire le tatouage. Alors, est-ce que quand tu manges des chips, tu en manges que une ou tu en manges par poignée? Eh ben, je prends même deux poignées. Putain, je vais passer pour un gros porc à l'issue de cette vidéo. Alors, est-ce que tu ronfles ou tu dors la bouche ouverte ou les deux? Je pense aucun d'entre eux. Alors, est-ce que tu dors sur un lit une place, deux places ou plus? Un lit plus de deux places, franchement, j'aimerais bien, mais non. Je sais pas, c'est ni un lit une place, ni un lit deux places, un peu entre les deux. D'ailleurs, quand on dort avec Erin, c'est assez galère. Est-ce que tu parles en dormant? Ouais. Ça m'est déjà arrivé par contre. Tu mets du gel ou de la laque? Déodorant ou parfum? Alors putain, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que niveau gel ou laque, je mets un peu de tout en fait, ça dépend des moments. Là j'ai mis de la cire, c'est une cire japonaise qui s'appelle Gatsby, je sais plus. Et quand mes cheveux sont trop longs, je mets de la laque. Parce que quand tu mets beaucoup de gel sur des cheveux longs, ça fait très sale. Et niveau parfum, bah, je mets soit le Hugo Boss l'hiver, parce que pour l'été, c'est un petit peu trop fort. Et l'été, bah, je mets l'Odyssée pour homme sport de Issey Miyake. En plus, c'est un nom japonais, donc trop swag. Tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Toujours fermée, on sait jamais ce qui peut rentrer. La couleur de tes sous-vêtements actuels? Voilà, toujours en caleçon, TMTC ma gueule. Tu préfères les pâtes à la carbonara ou à la bolognaise? Bolognaise, carbonara, j'aime pas trop, j'aimais pas trop les lardons. Et quelle pointure de chaussures je fais? Je fais du 42 depuis que j'ai 12 ans, mes pieds ils ont pas grandi. Quelle fille de manga en vrai aimerais-tu sortir avec si elles existaient niveau caractère et physique? Je crois que je prendrais Bulma puisque c'est la plus riche au monde. Quand tu pètes, tu le fais discrètement ou tu fais profiter tout le monde? En fait, c'est discret, mais tellement l'odeur elle est fracassante que tout le monde est au courant. Même les profs, ils savent quand je pète, putain. Je me douche combien de fois par semaine? Au moins une fois par jour et quelques fois le week-end, deux fois par jour, le matin et le soir. Pizza ou hamburger? Hamburger. Quel est ton exo préféré Freeletics et celui que tu aimes le moins? Oh putain, celui que j'aime le moins, je crois que ça doit être Aphrodite ou Apollon. Apollon, il y a trop de burpees. En fait, je déteste les burpees. Et celui que je préfère le plus, c'est Poséidon parce qu'il y a des tractions et des pompes. Le matin, tu fais la grasse matinée ou tu te réveilles super tôt? Je suis sûr que t'as un gros flemmard. Bah non, malheureusement, je suis pas en vacances, donc je me lève tôt, à 7h. Sinon, le week-end ou quand je suis en vacances, j'essaye de me lever maximum à 10h. Parce qu'après, j'ai l'impression de perdre ma journée. Est-ce que tu dis « itadakimasu » avant de manger en dehors de tes vidéos? Non, jamais. Je crois que j'aurais l'air d'un fou. Tu vas en priorité sur Facebook ou sur Twitter? Twitter, je suis tout le temps sur Twitter. Tu dors avec ou sans couverture? En général, avec, mais... quand il fait très très chaud, genre je laisse dépasser une jambe de la couverture, tu vois. Mais je suis jamais sans. Oh putain, entre soulever 50 fois une barre de développé couché à 40 kg ou faire 250 burpees, tu choisirais quoi? Je pense que je ferais 50 fois le développé couché parce que les burpees, ça me saoule trop. Tu préfères le poulet rôti ou pané? Poulet tout court. Tu te douches debout ou assis? Bah debout. Est-ce que ou le vraiment un ange? J'ai quoi comme habitude tous les jours? Bah c'est simple, je me réveille, je vais au travail. Je rentre, je regarde un petit peu les vidéos sur YouTube, je fais mon sport. Chocapic ou Nesquik? Chocapic, parce que comme ça, t'as juste à mettre les Chocapic, tu mets le lait, et après, ton lait, il est déjà chocolaté, donc c'est mieux. Est-ce que je chauffe mon lait quand je prends un bol de céréales? Non, lait froid, toujours, je kiffe le lait froid, même l'hiver. Es-tu fan du Brocante Game? Si oui, est-ce que tu es du côté de Don Gabion ou de Don Kirbino? Moi, c'est Don Gabion, à jamais dans mon cœur. Dédicace à toi, JT Gabi. Est-ce que tu as ton permis et une carte bancaire? Bah ouais, j'ai 22 ans quand même, heureusement. Slip ou caleçon? Encore une fois, caleçon TMTC. Tu fais chavirer le cœur de combien de filles ou de mecs par mois? Bah, je sais pas, à vous de me le dire. Quelle est ta taille? 1m73? Prends-tu du café ou du chocolat le matin? Café, parce que j'ai trop la tête dans le cul.
Pas-tu chez le coiffeur pour ta coupe de cheveux? Bah non, ça tombe tout seul en fait. Toutes les 4 semaines, je me réveille, tout est tombé, le petit dégradé, il est passé tout seul, tranquille, j'ai rien eu à faire. Tu aimes la viande saignante ou bien cuite? Bien cuite, moi il faut que ce soit une semelle, j'ai horreur de la viande saignante. Peut-être un petit peu plus maintenant en grandissant, mais à l'époque, fallait vraiment que mon steak haché, ce soit de la semelle. Tu manges quoi au petit déjeuner? Au petit déjeuner, je me fais 4 œufs, 100 g de flocons d'avoine, je mélange, ça fait une petite omelette, je mets une compote de pommes dessus avec un petit café, ça passe crème. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Pain au chocolat, pardon, je suis du Nord, donc c'est légitime. Une chaîne préférée en dehors des vidéastes manga? Alors, une chaîne que je regarde quasiment tout le temps en dehors des mangas, ça doit être Nassim Saïli, une chaîne de musculation. Ton corps est tourné de quel côté du lit? Côté gauche. Tu préfères être attaqué par un gros ours ou une armée d'abeilles? Aucun des deux, mais je dirais un gros ours. Il est un petit peu lent, t'as peut-être plus moyen de tailler. Alors qu'une armée d'abeilles, je pense qu'elle te lâche pas. Est-ce que c'est toi qui fais la cuisine? Oui, enfin je fais que du surgelé. Et qu'est-ce que je fais comme étude? Bah je viens d'avoir eu mon DUT statistique et informatique. Et je vais partir en master de statistique. La taille de ton appartement? Bah écoute, je suis encore dans la chambre, je vis chez ma mère. Quand tu manges une banane, est-ce que tu enlèves complètement la peau ou tu la laisses jusqu'à finir la banane? Banane. Bah je la laisse, parce que si tu l'enlèves complètement, après quand tu tiens la banane, c'est tout pâteux. Donc je laisse la peau tout au bout et je mange tranquillement. Tu grilles chauffe ou laisse nature le pain au petit-déj? Je le grille. Est-ce que tu décongèles les steaks hachés avant de les faire cuire? Non, je les cuis congelés. Tu vas faire caca combien de fois par semaine? Beaucoup. Je vais vraiment faire beaucoup de fois caca, plusieurs fois par jour. Combien d'entraînements de musculation fais-tu par semaine? Entre 4 et 5. Que fais-tu de ton temps libre? Bah, ce que je fais là. Putain, la question de combien de fois je vais faire caca ou combien de papier j'utilise pour faire caca, elle est revenue plein de fois. Hein. Je savais pas que ça vous intéressait, ma merde. Plutôt fusion ou potalas? Dans l'immédiat, je dirais potalas, parce que c'est simple, t'as juste à mettre une boucle d'oreille. Mais après, bon bah tu restes fusionné à quelqu'un toute ta vie, donc... Il y a du positif et du négatif des deux côtés. Quel est ton yaourt préféré? J'adore les veloutés fruits, ça, je trouve ça trop bon. Bac pro ou général, bac S, ESL, j'ai fait un bac S. Voilà, c'est fini pour cette première FAQ, totalement what the fuck si ça vous a plu. Réagissez dans les commentaires, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!